Wesh les potos, c'est pas une comeback. Ouais, ouais, j'espère que vous allez bien. On est avec le poteau là. Regarde-moi ça, regarde-moi ce beau gosse là. Regarde-moi ce beau. On n'est pas à Montpellier. Ah non, on n'est pas à Montpellier, bébé là. Aïe, 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 aïe. Bon, on est à 11 minutes et 7 km 2 de futur moto. Wablé, attention, attention. Wap, hop, hop. Ils sont pas trop en forme ici hein. C'est des fatigués hein, vers ici hein. Ah là 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 là, le travail. On est dans une ambiance assez hivernale. Il fait à peu près moins 15 ici. On a le bout de la bite, il est rentré. Il est en hibernation chez nous. Donc voilà, c'est assez compliqué hein. C'est moi le bus. Non, je rigole. C'est énorme, c'est de la blague. Dans 700 mètres on arrive. Eh ben, on se recheck. Ouais, bah si vous avez pas tout. Non, bah pas de soucis. C'est la maman qui part. Ah bah oui, hein. C'est normal. Bon, ben bah, bonne soirée, hein. Bonne route, bonne soirée. T'as mis station essence là? Vous partez là, vous prenez à gauche au rond-point. Ouais. Vous passez à un autre rond-point bizarre. Non, mais sur un autre rond-point, vous prenez à droite. Ça va monter, descendre, il y a un carrefour sur votre droite. Ok, bah c'est, je pense, là où on a eu. Ouais, c'est rond-point land ici, hein. Ouais, surtout, ouais, sur celle ici, oui. Ouais. Allez, à ciao. Bonne soirée, hein. On l'entend plus. Ouais, Paika qui a acheté une MD et qui mange au McDo le soir même. Qu'est-ce qui s'est passé les gars? Énormément de choses, énormément trop de choses. Mais j'en reviendrai par la suite, ne vous inquiétez pas. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez un quantité d'été? Non, enfin non, non. Ok, je vous écoute, au revoir. Ça fera tout? C'est tout. Vous réglerez comment? En carte? Et ça fera... à emporter du coup. Oui, oui, ne t'inquiétez pas. Ah bah oui, je suis con. 11h25, le prochain guichet. Au top, merci. Bonsoir. Je peux mettre la carte? Juste ici, monsieur. Allez, merci. Et bonjour. Le Mac First. Avec une petite salade? Avec une petite salade, c'est ça. Merci à vous. Eh oui, parce que j'ai reçu un recommandé et du coup je sais pas où c'était, c'est pour ça. Ouais, je vous suis. Ah ouais les gars, je suis la poste. Ouais, je suis mort. Je lui demande au frérot où est-ce que c'est pour aller à la poste que j'ai un recommandé. Il me fait, suis-moi. Mais écoute-moi bien le ref, y a pas de soucis le couze. Oh là là, eh, moi je m'aventure dans des bails des fois, je te jure. Dans son petit Citroën Jumpy. Oh, c'est énorme. Je suis mon petit postier. Je vais l'appeler Didier. C'est Didier le postier. Ah, j'ai plus d'essence. Bon, du coup je vais vous parler aussi de la moto, mais après, enfin de la moto, de la vidéo, bah, de la vidéo quoi, qui est actuellement. En gros, je récupère le colis. Une fois que j'ai récupéré le colis, je vais vous parler de... Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. De toutes mes péripéties qu'il y a eu, la moto, pourquoi ça? Vous inquiétez pas, vous aurez le droit à tout en détail. Mais quand je vous dis tout, c'est tout. Je vais vous expliquer dans les détails, du détail, le détail. C'est la première fois de ma vie, je suis un postier, sans déconner. Oh, c'est énorme. Hop, et à droite, rac, commence. Alors frérot, les courbes, c'est pas trop ça. Mais bon, je t'en veux pas, c'est Didier, le postier. Le stop, ah oui. Didier. Et hop, il me régale Didier. Alors c'est où là? Je te suis, hein. Ah, c'est là, c'est la poste. Eh, vous êtes au top. Merci à vous. Je vais la garer parking visiteur. Il est au top, Jean-Jacques. Ah non, c'est Didier, j'avais dit. Je me souviens. Wesh, la street. Bon, en fait, je me suis trompé de... Enfin, non. Il m'a trompé, il s'est trompé. En fait, c'était pas là-bas que... Il pensait que j'allais chercher un colis. Alors que j'allais juste chercher une petite lettre, tu vois. Mais la lettre, elle est bizarre. J'ai jamais vu une lettre comme ça de ma vie. Genre, trop chelou, le truc. Je sais pas, c'est bizarre, un peu. C'est bizarre. Je verrai ça en rentrant. Bon, on va parler de... de
petits bestiaux là. Hein. Pourquoi? Il y a eu pas mal de modifs aussi, et des modifs vont venir avec la suite. Là déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se rendre à une station essence. Je vais mettre l'essence et après on va parler tranquillou bilou. Ça te va? Moi ça me va, c'est carré. Déjà, écoute ce petit bruit. C'est pas mal. Ah ça, c'est du bruit, ouais. C'est... Pour le coup, j'ai pas fait les choses de la moitié. Hein. Écoute. Ah, ça fait un petit peu de bruit, vite fait. Allez, ça y est, ça commence les dingueries. Enfin bon, je vais mettre de l'essence et on va parler de tout ça tranquillou. Ne vous inquiétez pas. Est-ce qu'on ferait pas un petit plan de transition essence stylé? Ah ouais, c'est genre on fait un truc en mode... Attends, genre on fait schlac et hop, ça passe. Allez, c'est parti. 1, 2, choplay. T'as vu cette transition de fou, mon pote? Allez, on se met un petit 15 balles là, sans regarder, 15 balles. Ok. Allez. Ok. Ok, je pense qu'on est à 14 là. Je sais pas. Allez, moi je dis, allez, stop. Ah, dommage. Allez, sans regarder. Stop. Pff, oh là. J'ai déjà abonnez-vous. Non, ne vous abonnez pas. Enfin, si, mais non. Eh, non, je déconne. En fait, c'est totalement faux. J'ai demandé de mettre 15 balles au monsieur. Alors, les gens qui ont vraiment cru une espèce de 30 secondes. Vous êtes des ouf. Allez, c'est parti. On est chaud. Ouais, j'ai mis 15 balles, j'ai même pas le plein. Salut à toi, Bistouquette. Eh, j'ai mis 15 balles, j'ai même pas le plein, frère. Ah ouais, j'étais vraiment dans la réserve carburant, genre. Oh là là. T'entends ça? T'entends? Oh là là. Bon, mes petites girls, je vais en profiter que le feu est rouge pour vous pour vous parler de pourquoi une MT-07, en sachant que avant j'avais dit ouais, pas d'MT, nanani, nanana, l'originalité tu connais. Alors écoute-moi bien. Déjà, il y a eu énormément de facteurs qui sont rentrés en jeu du pourquoi, du comment j'ai pris ça. Comme vous le savez, j'ai une chance. Je pourrais gagner au loto si je jouais maintenant. En termes de problèmes avec les motos. Accident, vol, enfin bref, t'as capté. Les assurances, l'assurance à laquelle j'étais ne voulait plus m'assurer. Parce que du coup, j'avais pas mal de sinistres. Les assurances, elles regardent en termes de sinistres pour assurer quelqu'un. Tu vois, si la personne a trop de sinistres, même responsable ou non responsable, les assurances, elles fait vous nous coûtez trop cher en fait. Du coup, l'assurance, elle m'a dit non. Elle m'a dit clairement non. Voilà, donc ça, c'était un petit point déjà. Je vais revenir maintenant sur... En fait, avant de prendre la MT, je voulais prendre une GSR 750. Je crois qu'elle était 2014. Elle avait un shifter. Elle avait des options de fou malade. J'ai vu la moto. J'ai appelé l'assurance. Ils m'ont dit oui, pas de soucis. Nanani, nanana, ça le fait. Ok, y a pas de soucis, mon ref. Ok, je vais voir la moto. Je mets un acompte sur la moto. Et j'appelle l'assurance. Je fais oui, ça serait pour assurer cette moto, donc le GSR. Et l'assurance, elle me fait ah non. Eh ben en fait non monsieur, vous avez trop de sinistres. Là dans ma tête ça a bégayé, genre tu vois le singe quand il se tape les mains là, il fait des tours sur lui-même et tout, je te mets un petit passage là. Eh ben ça c'était moi au moment où l'assurance elle m'a dit non. Du coup ils m'ont dit en gros hein, ils m'ont dit ça. Et après je leur dis ok, il n'y a pas de souci, vous me la faites entre guillemets un petit peu à l'envers. Il y a quoi comme moto que vous pouvez m'assurer, tu vois? On a différentes motos, on a Honda, Kawa et Yamaha. Alors clairement, bon, j'aime pas trop la Z, je trouve un peu trop grand pour ça. La Honda, c'est pas mon kiff, et il restait Yamaha. Donc je leur dis, ok, il n'y a pas de souci. Bah du coup, il n'y a pas de souci, mamie, hein, avec grand plaisir. Du coup, bah écoute, je vais sur le bon coin, tatata, je vois cette MT. Le matin à 10h, j'étais en cours. À 10h, je vois la MT, je fais, oh, ça c'est pour moi. J'appelle le mec, je lui dis, est-ce qu'elle est disponible et tout. Le mec, un abonné. Il se reconnaîtra. Toi-même, tu sais. L'abonné, il m'avait pas reconnu quand je l'ai au téléphone, c'est sur place. C'est avant de partir, je crois. Il me fait, bah attends, mais t'es pas Ika. Je fais, ouais, c'est moi le ref. Il me fait, ah ouais, bah ouais, et ouais, mon pote. Et ouais. Je leur dis voilà, j'ai cette moto, je vais la chercher cet après-midi ce soir, qui s'est passé un petit peu avant là avec mon pote. Ils me font d'accord, donnez-moi immatricule et tout, patati, on rentre tout hein. Numéro de série, carte grise, plaque d'immatriculation, date de première, bref, tous les trucs tu vois. Et là, il a fait entrer et le merde,
comment on appelle ça, leur ordinateur qui calcule je sais pas quoi. Il a fait danse mon ref, je te veux pas toi, tu dégages. Je t'explique pas comment j'étais en transe. Tu sais quand t'es à la piscine, tu sors de la piscine, ça, tu coules de l'eau. Il y a de l'eau qui coule de toi. Et ben moi, on était en plein hiver, c'était pareil. J'avais beau être à l'extérieur, je coulais mon pote. C'était une piscine qui était sur moi. Oui. Du coup, le stress, alors là, je fais toutes les assurances possibles et inimaginables. Elles me recalent tous. Mais quand je te dis tous, frérot, c'est genre vraiment, elles me disent, vous avez trop de sinistres. Et là, une assurance qui me conseille d'aller à Mutuelle des Motards. Je sais plus l'assurance, je crois que c'était AXA. Elle me dit, allez à Mutuelle des Motards et voyez, ça peut peut-être le faire. J'appelle Mutuelle des Motards, je leur dis, écoutez les frérots, c'est la D là. Il faudrait que vous m'assurez maintenant tout de suite une moto là. Ils me font, donnez-moi votre dossier, je sais pas quoi, expertise. Je leur donne, ils me font, bah ouais, pas de soucis, on va vous assurer. Je fais non. Ils me font bah si si. Je leur dis non, vous rigolez. Ils me font bah si. Je fais vous êtes sérieux? Ils me font ah tu me casses les couilles là. Je fais ouais pardon. Bref, mais du coup ils m'assurent parce que c'était les seuls qui voulaient m'assurer. Je paye un petit peu cher. Je te le cache pas. Mais au moins j'ai assuré le bolide. Et du coup ben voilà, je suis parti sur une MT-07 Acra Carbone qui fait des retours, écoute-moi ça. Enfin bref, du coup voilà. Pourquoi ils sont tous à droite ces Mongoliens? Eh, c'est une voie de bus. Ils ont rien compris à la vie. Oh là là. Du coup, voilà pourquoi j'ai une MT-07. Je peux pas dire quoi d'autre parce qu'en termes de tout, en fait, c'est tout plein de choses qui ont fait que ça m'a un petit peu, baisé la gueule. Hein, on va pas se mentir. Quand tu veux le feu, tu passes. Merci le coup. Vas-y, passe. Du coup. Voilà, je vais aller faire 2-3 trucs, je vais vous prendre avec moi, ça rallongera un petit peu la vidéo. Avant, il y avait une bulle qui était devant et des protèges radiateurs qui sont rosés. Je sais même pas comment on peut expliquer ça, ils étaient rouges de base, ils ont fini rose. Enfin bref, il m'a dit qu'ils les avaient achetés sur AliExpress. J'ai changé les clignots avant, arrière et le support de plaque. Voilà là. Mais elle aussi là, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle avance pas là. Bah ah ouais, bah à gauche, ok. Et ouais, j'ai fait 2-3 modifs, il y aura une modif, il y aura un covering en fait, un covering couleur que je vais faire. Donc ça, je vais modifier ça. Oh là là, elle fait un bruit mon cochon. Et du coup voilà l'histoire de Pika Bike en quelques minutes. En tout cas j'espère que j'ai récapitulé toute mon avancée de ma situation entre guillemets. J'espère que vous kiffez quand même cette moto. Parce qu'elle est pas mal hein, j'aime bien. Voilà, c'est un petit 07 après j'ai envie de te dire, c'est pas non plus un truc de fou, mais bon en tout cas je suis content. C'est quand même une bonne moto tu vois. Elle roule bien. Bon j'ai déjà dû faire un joint spi, mais bon voilà, ça, après c'est un petit peu normal. Et ouais d'ailleurs venez me suivre sur Instagram si c'est pas déjà fait, bande de fous mouligars. Enfin bref. Mais bon je suis content, elle fait un. Enfin, un beau petit bruit, hein? Comme Emily, elle est jolie. Mais ouais, du coup, on va changer la couleur, on va faire un petit déco de jante, on va faire 2-3 trucs sympathiques, quoi. Hein. On va pas se mentir, ça peut être pas mal. Ah, je suis mort. Ah, tout de bisous. Ah ouais, c'est des faux. Ah, les S5, c'est des bullshit en fait. Hein. Il y a juste deux sorties à gauche, pas à droite. Ah les bâtards. Bon, ça me foutrait les morts. T'achètes une voiture neuve en plus, j'en suis sûr. Elle est neuve la caisse, tu vois. Il y a deux sorties au lieu de quatre, sur les quatre. Jouer la petite Audi S5. Ah me régale. En tout cas, elle bombarde son Audi quand même. Elle a beau avoir que 2 sorties sur 4, elle bombarde.
sort, frère. Et wesh, il me fait sortir où le couze là? Putain! Casse les couilles là! T'as pris une MT, patati, patata, parce que frérot, hop, je me mets en 4, petite bosse. Ah, c'est énorme! Oh là là! Enfin bref, je les ai un rapport. Paika, salut mon pote, à la compote de chez la pompote. Je vais vous faire une petite flamme du seigneur dans le tunnel qui est là, tu vas voir. Écoute, y'a son père. Écoute. T'es prêt ou pas? T'es prêt ou pas? Oh là là. Allez, sur ce, je vous love, portez-vous bien, des bisous partout.